what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine, on a fait la moitié. J'ai encore regardé Stacy aujourd'hui, hier soir c'était encore une fois, voilà. Donc je me demande si ce serait pas quand même un petit air de gastro. On verra, hein. Alors en tout cas j'ai hâte que cette année se termine, je vous dis pas. Là j'ai reçu un message avec les horaires qui, voilà, parce que fin d'année comme ça, je vous ai dit, hein, c'est un centre d'examen, son collège, donc du coup il y a plein d'aménagements et tout. Donc on verra, mais... J'ai hâte que ça soit fini. Voilà. Je me suis réveillée ce matin. Enfin non, déjà hier soir. Hier soir, avant d'aller au spa, je me démaquille, je vais au spa et je sens que ça commence à me brûler aux yeux et tout. Je dis à Greg, je dis, ça me brûle encore une fois, je sais pas ce que j'ai. Puis donc du coup, il regarde, il me dit, bah oui, t'es tout rouge, on a l'impression que t'es vraiment boursouflée, brûlée. Et donc du coup, il me dit, mais t'as changé quelque chose au niveau de ta peau? Tu mets un nouveau maquillage ou quoi? Et en fait, non, je mets strictement rien. Et après, en réfléchissant, je me suis rendu compte que pour me démaquiller, j'ai utilisé ces lingettes ici. Vous voyez les nouvelles que j'ai achetées? En fait, je me suis voulu me démaquiller vite fait avant d'aller au spa et je les ai utilisées. Et ça fait deux fois que je les utilise, deux fois où j'attrape les yeux comme ça, comme si c'était brûlé. Et comme là, on a l'impression, vous voyez, je suis rouge, on a l'impression que j'aurais mis du rose ou quoi sur mes joues. Mais là, il a strictement rien. J'ai strictement rien mis à part du récil, quoi, en fait. Et du coup je pense que c'est ça. Donc je vais arrêter de les utiliser au moins. Alors sur ma peau ça n'a pas l'air de faire quoi que ce soit, mais c'est surtout au niveau des yeux, donc peut-être que c'est trop fort. Pourtant il y a écrit pour les yeux et la face. Et puis en plus il y a écrit que c'est pour peau sensible. Donc et c'est rare que je fais des allergies comme ça à des produits. Je suis pas forcément une peau à être... Alors ça me fait rire parce qu'ils disent précaution d'emploi, je viens de le lire, éviter le contact direct avec les yeux. Mais c'est bien pour... Bref, c'est bizarre. Je vais arrêter de l'utiliser et je vais voir si c'est ça ou si c'est mes allergies qui sont plus. Alors je fais des allergies mais pas aux produits, c'est rare que j'en fais. Je fais des allergies au pollen, enfin voilà, les trucs comme ça. Donc est-ce que c'est ça? Mais d'habitude ça joue pas vraiment sur mes yeux, j'ai plus... comme le style un petit rhume quoi en fait, un petit peu voilà, mais et puis des plaques au niveau de la peau, mais ça c'est le soleil qui me fait ça quand je m'expose trop au niveau du soleil, j'ai comme une allergie au soleil quoi en fait. Donc là je reprends mon Aerius, je vais voir si ça passe, mais en même temps je vais arrêter ça pour être sûre, parce qu'à mon avis il n'y a que ça que j'ai changé. Donc ça peut venir de ça, je verrai bien. Bref, sinon aujourd'hui, quoi de prévu? Je vais, on va continuer sûrement le grenier cet après-midi. Je vous expliquerai le pourquoi. Voilà, pourquoi il y a tous ces changements-là et pourquoi on se dépêche un petit peu. Je vous expliquerai sûrement ça dans la journée tout à l'heure. Je vais aussi là... Je vais déjeuner déjà et ensuite je vais vous filmer la recette des bagels, parce que ce midi je vais faire des bagels au saumon, donc je vais faire les petits pains à bagels. Et ce soir c'est une blanquette de veau avec du riz, il fait chaud et j'ai fait une blanquette de veau, c'est pas grave. Je vais la faire au ninja, comme ça, ça va pas trop chauffer la maison quoi en fait. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû faire plutôt une salade. Mais moi c'est pas grave, hein. En fait j'avais acheté le veau pour faire de la blanquette la semaine dernière, il y a 15 jours même, et je l'ai pas fait, enfin il y a même un mois, parce que c'est quand j'ai fait mon plein de viande, et en fait je l'ai pas fait. J'aurais mieux fait de le faire puisque là il y a un mois il faisait pas beau et là maintenant voilà, il commence à faire très chaud. Mais bon, il paraît que ça a pas duré, il nous annonce de l'orage pour demain, je pense. Pas cool. Bon, du moment que ça fait que passer, que c'est juste un petit... Parce qu'il faut un petit peu de pluie, mais du moment que ça reste pas longtemps et que ça s'en va tout de suite, le lendemain il refait beau, ça me va très bien. Je vais ranger ça, puis je vais déjeuner. Je sais pas trop quoi déjeuner. Ce matin, ça sera muesli, celui aux fruits, là, fruits secs de chez Lidl. Même falloir que j'aille refaire le plein, même celui au chocolat, parce que j'en ai pratiquement plus. Et comme j'y vais rarement,
Du coup, puis à Auchan, il y en a, mais ils sont pas aussi bons, quoi, en fait. Quand on est habitué à un produit, hein. Et puis, yaourt nature, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Pepper? J'ai fini de déjeuner. Je vais commencer ma recette en finissant mon café. Allez, c'est parti. Du coup, je vous filme la recette ma des baguettes. Pâte qui est en train de lever tranquillement. Là, je vais aller bosser un peu sur le PC. Parce que si cet après-midi, je veux avancer en haut, il faut que ça soit avancé en bas. Allez, on y va. J'ai mes cheveux en ce moment, ils me font du n'importe quoi. En fait, je sais pas, depuis mon injection, vous voyez mes perfusions de fer, ils repoussent, mais... voilà, on voit que ça jouait aussi. Hein. Mais du coup, je suis plein de petites, encore plus. Alors, j'en avais, hein, mais je suis encore plus plein de repousses. Et du coup, moi, je ne sais pas comment les placer. Parce que quand je les place d'un côté, ça va pas. Quand je les place de l'autre, ben, ça bique de partout. En fait, c'est vraiment, vous voyez, je sais pas si vous voyez toutes les repousses que c'est là. Et il y en a plein, 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 quoi, en fait. Donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir un volume tout au-dessus de la tête. Non, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, on va travailler. Déjà un petit midi peu. Passé, j'étais récupérée Angel. Alors en fait, j'ai bossé entre le filmage, les bagels, des bagels. J'ai monté une vidéo aussi. J'ai répondu à vos commentaires. Je vous ai dit, je voulais avancer au maximum pour avoir pouvoir donner un coup de main à Greg cet après-midi. Là, du coup, ben, j'ai fini mes bagels. Ils sont froids. On va pouvoir les garnir. Je vais vous les montrer. Hop. Alors on va enjamber Marley. Il prend de la place. Alors Princesse, j'avais tendance quand je me retournais à lui, voilà, parce qu'elle était tout le temps collée à moi, je la voyais pas forcément. Là lui, il n'y a pas de danger que je passe à côté, hein. Donc voilà les bagels. Alors j'en ai fait aux graines de pavot, au sésame, et j'en ai fait des natures. Alors oui, regardez. Puis la texture. Voilà, comme je vous disais dans la vidéo, rien à voir avec la texture de ceux qu'on peut trouver au commerce, hein. En magasin, là, vous voyez les petits pains à réchauffer. Donc, je vais les garnir, je vais vous montrer ce que je mets à l'intérieur. Je vous ai filmé, hein, comme je vous ai dit, la recette, elle sera en ligne, plus la semaine prochaine, je pense. Mais bon, si vous êtes abonné à la chaîne, logiquement, vous allez recevoir la notification. Allez, alors je vais faire déjà une salade de betterave avec de la mâche, parce qu'en fait il y a de la mâche à l'intérieur, et comme je sais que je vais en avoir de trop, pour pas la gaspiller, c'est assez fragile la mâche, hein. Je me suis dit que j'allais faire une salade, ça fait un peu plus de verdure. Je vais chercher un truc pour les goûter avant de mettre le rouge partout. Voilà, bagels garnis. Alors j'ai mis du fromage frais, tomate, de la mâche, du saumon, avocat, et j'ai remis un peu de fromage frais sur le dessus. Voilà. Et betterave et puis de la mâche. Non. Greg est rentré. Il dit j'ai chaud. J'ai chaud. Il dit ouais, par contre, j'ai prévu de la blanquette ce soir. Il me regarde. Bon, ben, on aura chaud. Bah, et puis, je vois pas ce que je pourrais faire autre que la blanquette. Ouais, je sais pas. Non, c'est pas grave, hein, ce sera blanquette, hein, puis on aura chaud. Mais bon, je pense qu'avec le ninja, c'est comme au cookie-o, ça dégage pas beaucoup de chaleur. J'ai mal aux bras. En fait, hier, j'ai fait les bras. Je fais une séance, voilà, et j'ai mal en dessous, là. C'est quoi le muscle, là, en dessous, chérie? Les triceps. J'ai mal... Vous êtes lourd, là. La caméra est lourde. J'ai mal dès que je soulève les bras. En plus, c'est vraiment pas mon fort, moi, les bras. Les épaules, l'au-dessus, là, ça va. Mais le triceps et les épaules, c'est pas mon truc. Et là, du coup, ben, je le sens, quoi, en fait. Là, j'ai mal. Là. Bon, demain, j'aurais plus mal, hein, logiquement, mais bon. En plus, ce matin, j'ai travaillé un tout petit peu, donc j'ai fait un tabata ce matin. Ah. Bon, allez. Je vais aller faire passer l'aspirateur. Je vais expliquer à Greg ce qu'il doit mettre dans son bagage, ce qu'il est déjà en train de se dire. Je dois mettre quoi? Et puis, je vais lancer l'aspirateur et puis finir de mettre en ligne la recette.
comme ça, ça sera fait. Je vais prendre mon courage à deux mains, puis on va monter. Je finis mon café d'abord. Hop, alors vous allez avoir un bruit de fond d'aspirateur et de machine à laver. Alors je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi on est en train de tout d'un seul coup vouloir, d'habitude c'est attendre les vacances en fait, hein, réaménager le haut. Enfin on est en train de tout ranger au niveau du grenier et tout, je vais vous expliquer pourquoi. Et là on est en train de tout réaménager le haut. En fait on va devoir pousser les murs un petit peu pour quelques mois. Il y a Kim, donc son chéri Quentin, et le petit qui reviennent vivre pour quelques mois à la maison. En fait je vous explique, ils se sont mis... ils ont emménagé au mois de décembre, je pense. C'est ça, à peu près? Ouais. Donc oui, je pense que c'est ça. Donc au mois de décembre, donc en plein confinement et tout, hein, je vous avais expliqué hein, qu'ils galéraient à trouver et tout. Donc là, ils avaient trouvé en Belgique. Ils avaient bien vu... Pour vous expliquer un petit peu, juste à côté de chez eux, donc c'est un appartement, c'est une maison de maître transformée, vous voyez, en appartement. Donc il y a trois appartements, trois étages, trois appartements. Donc eux ils sont au deuxième, et sur la maison juste à côté en fait il y a un café, mais ça fait le petit café style, c'est même, enfin ouais, ça fait le petit bar quoi en fait, enfin c'est vraiment plus le café de village, vous voyez, où on se... Donc eux ils étaient en plein confinement quand ils se sont mis en ménage, le café était fermé, ça posait pas de problème et tout, ils entendaient rien, pas de bruit, rien du tout. Alors en Belgique ça fait un mois maintenant que les cafés, les bars, les restaurants sont réouverts, et mais c'est en terrasse. Et là, en fait, ben, le bar profite un petit peu pour renflouer, je pense, ses caisses. Mais voilà, c'est plus le petit café, c'est devenu le bar discothèque, limite. Faire la fiesta tous les soirs, etc., etc. À faire du bruit, parce que le couvre-feu en Belgique, c'est jusque minuit. Donc du coup, jusque minuit, il fait du bruit. Ils font du bruit, ils font la fête. Elle vient juste d'arriver, justement. Donc du coup c'est pas possible, quand vous imaginez que impossible de dormir, ça fait trop de bruit, son chéri travaille le lendemain matin voilà, de bonne heure et tout. Donc ils veulent déménager. Ce qui est, c'est qu'en Belgique quand on déménage, quand on veut déménager, quand on, en fait on a un bail comme en France quoi en fait, et c'est des contrats d'un an. Donc quand on a un bail comme ça d'un an, c'est soit vous restez l'année, ou soit si vous le rompez avant, vous avez des indemnités. Et pour les indemnités de moins d'un mois, vous avez 3 mois de loyer à donner. Voilà, donc s'ils veulent déménager tout de suite, ils ont 3 mois à donner, plus après le loyer de l'autre côté. Donc comme c'est pas possible là de rester comme ça jusqu'au mois de décembre, parce que le petit dort pas, voilà, il est réveillé en pleine nuit, enfin... Pour vous expliquer, en fait, cette semaine, le bar a tellement été loin qu'il y a eu des centres de flics parce qu'en fait, ils faisaient la fiesta à l'intérieur et à l'extérieur, quoi, en fait, avec du bruit et tout. Logiquement, intérieur, c'est comme en France, c'est interdit, hein, donc du coup, ils ont eu droit à une amende et tout, mais bon, c'est pas ce que ça va les empêcher de continuer. Hein, moi, chérie, t'es d'accord, hein? Donc du coup on s'est dit que pour pas qu'ils se redépêchent à rechercher, etc., etc. Et puis comme je vous dis, avec les indemnités et tout, ils peuvent pas donner 2 mois de loyer en même temps d'un côté ou de l'autre quoi en fait. Donc ils se sont arrangés avec le proprio, ils vont rester à la maison pendant 3 mois. Pendant 3 mois ils vont continuer à payer leur... Enfin ils ont divisé l'indemnité en 3 quoi en fait. Donc ils vont rester minimum 3 mois à la maison. Et ensuite ils chercheront ailleurs, ils prendront le temps et tout de trouver un chez eux qui, on l'espère cette fois-ci, sera le bon. Voilà. En fait ce qu'il y a, c'est que dans notre secteur c'est assez dur de trouver des logements. Quand ils demandent les logements, alors c'est soit des logements ce qu'on appelle les logements... sociaux en fait, vous voyez, avec les logiciels, enfin les trucs comme ça, Villogia et tout, mais là le délai d'attente est assez impressionnant. Ou soit c'est des logements avec des propriétaires, mais maintenant les propriétaires se protègent de plus en plus, ce que je peux comprendre, mais il y a 2 mois ils demandent jusqu'à 2-3 mois de loyer par rapport au salaire quoi en fait. Alors quand vous avez un loyer de 900 euros, voilà, vous imaginez multiplier ça par 3,
il y a, voilà, il y a que son chéri qui travaille, donc forcément, voilà. Donc du coup, on va pousser un petit peu les murs et on va les accueillir pour quelques mois à la maison. Donc comme je vous ai dit, minimum 3. Et puis si c'est plus, ben, c'est pas grave quoi en fait. Hein. Voilà, le principal c'est que tout se passe au mieux. Et puis voilà, on voulait pas qu'ils se redépêchent comme la première fois parce que ben, c'était pendant le confinement, ils étaient pas du tout bien là où ils étaient parce que c'était pas isolé pour le petit et tout. Enfin voilà, ils avaient plein de problèmes avec l'ancien propriétaire qui voulait pas faire les travaux et tout. La porte fermée. Plus, enfin, pour vous expliquer, porte-fenêtre, voilà, tout était pété et ça fermait plus bien. Et voilà, le quartier n'était pas très sécuritaire. Là, le quartier était très très bien jusqu'à qu'il y a ouverture avec ce bar et qui pousse un petit peu les limites. Alors, après, je veux bien comprendre, hein, il veut récupérer sa plus-value et ça lui fait son argent, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, ces fiestas, comme je vous dis, c'est plus un bar quoi, en fait, c'est une discothèque quoi, tous les soirs, musique à fond. Donc c'est soit dehors en terrasse, mais du coup ben, eux ils ont entendu tout, surtout que là en plus avec l'été ils vont commencer à dormir les fenêtres ouvertes ou quoi, c'est impossible. Ou soit c'est intérieur extérieur et avec Big Monde et tout, donc voilà. Donc voilà, donc logiquement ils devraient emménager ce week-end parce que comme ça ils peuvent déjà donner un mois, enfin donc c'était, ça faisait un moment hein, qu'on le savait, hein. C'est parce que voilà, je vous l'avais pas dit avant mais on voulait être sûr que ça se passerait comme ça et tout, donc du coup voilà. Donc là du coup on va se dépêcher à faire le grenier, alors c'était prévu hein, logiquement cet été, c'est ce qu'on avait pensé faire, mais là du coup, enfin on hésitait en fait, on hésitait entre le grenier et autre chose. Là du coup on va se dépêcher à faire le grenier pour que eux ils puissent prendre le grenier parce que du coup ça fera une grande chambre, mais là pour l'instant du coup on est en train de tout réaménager les chambres en haut pour qu'ils ont quand même leur chambre à eux, donc elle sera plus petite, ils vont être un petit peu serrés parce que c'est une petite chambre, mais bon ça sera toujours mieux que là où ils sont. Et puis puis nous on va se dépêcher du coup à faire le grenier pour qu'après ils puissent monter dans le grenier. Et puis comme de toute façon c'était prévu qu'on voulait faire le grenier pour pouvoir avoir une pièce en plus pour mettre mon tapis de sport etc etc dedans et nos rangements aussi, donc voilà, donc c'est pour ça qu'on se dépêche un petit peu parce qu'on voudrait au moins que les changements de chambre soient faits pour ce week-end parce qu'ils arrivent ce week-end. Donc grand changement pour nous parce que du coup deux adultes en plus, un petit bébé en plus, hein, bon même s'ils sont souvent là hein. Et bon là ça sera tout le temps. Ah ouais, ah ouais. Il tient de mieux en mieux assis. Ah chérie, tu tiens de mieux en mieux assis. C'est bien. La caméra. Oh là là, la caméra. Oh là 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 là. C'est le jouet à mamie, ça. T'es papa, toi. Tu peux pas. Son truc en ce moment, c'est... Ah ouais. Qu'est-ce qui t'a pris? Il est coincé. Il est coincé par quoi? C'est la spiro? Ouais, il est coincé dans le même. Ouais. J'arrive. C'est papy qui a pris ça. Ah, ah là 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 là. Ah là 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 là. T'as chaud, mon amour? Mon plus, sa maman, elle avait mis un body. Ah, bah oui, bah. Un body accoutrement, c'est parce qu'il y a sa couche. Bon allez, je vais finir mon café puis du coup on va aller bosser en haut. Frère, j'étais chercher les fruits et légumes. Je voulais pas aller au primeur. Enfin, je pouvais aller au primeur, hein, mais tu regardes quoi, chérie. Je voulais gagner du temps et comme il me fallait des fruits parce que je voudrais monter vite. Comme il fallait des fruits. Oh, je suis en train de m'appuyer sur la faisselle. Il est chaud, il va. Oui, je voulais aller au plus vite en fait. Donc du coup, j'étais. Il me fallait de quoi faire les fruits et les légumes pour ce soir pour faire la blanquette. Et je me suis dit, bah, je vais tout prendre quoi pendant que j'y suis, voilà. Et en fait, quand je me suis rendu compte que Grand Frais et le primeur, c'est pratiquement du kiff-kiff au niveau prix. Le seul truc, c'est que le primeur, on va dire que c'est plus des produits de saison. Grand Frais aussi, hein, mais plus des produits de la région, enfin pas de la région, mais du pays, on va dire. Alors que Grand Frais, on trouve des trucs d'Espagne. Même au primeur, on en trouve aussi un tout petit peu, hein, mais on trouve quand même des trucs, plus de trucs du pays, comme ils disent. Alors souvent, c'est Belgique, hein. Mais voilà, vous voyez les tomates, les machins et tout. Grand Frais, faut faire attention. Il y a des moments, il y a encore voilà. Après, c'est si vous faites attention, si vous faites pas attention à ça, quoi. En fait, hein. Chacun fait ce qu'il veut, et puis en fonction de ses moyens aussi, parce que forcément, les produits du pays sont plus chers aussi que les produits du Maroc ou d'Espagne. Voilà.
Allez, je vais vous filmer ça, puis après je vais monter et donner un coup de main à Greg. En fait, je voulais aller au plus vite pour pouvoir avancer au grenier et dans les chambres. En fait, on est en train de tout remanier les chambres parce que ici on a 4 chambres. Le grenier qui est un grenier des. Voilà, là c'est pour l'instant c'est un grenier qui va devenir une chambre. On a les chambres des enfants et notre chambre. Notre chambre, c'est la chambre qui est la plus grande. Donc du coup, pour pouvoir avoir une place pour Kim et Quentin en attendant qu'on fasse le grenier, on est en train de tout rechanger les chambres. Donc les enfants ont bien voulu partager leur chambre pour juste les 2 mois, 2-3 mois. Enfin, ça va être juste pour cet été quoi, en fait. Enfin, juste pour le temps qu'ils sont là. Et encore, si ça tombe, le grenier sera fait. Alors c'était en prévision hein, parce que c'était si vous voulez monter au grenier et moi je voulais avoir une pièce en fait pour en plus pour mettre mon tapis de course, etc., etc. Et au début je voulais même en faire un bureau, je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais déjà parlé. Donc là en fait ce qu'on va faire, c'est que pour que Kimberly et Angel ont quand même chacun leur espace, alors ça les dérange absolument pas hein, de partager leur chambre, c'est venu d'eux quoi en fait, voilà, c'est eux qui ont dit ah, bah, on va partager notre chambre, il n'y a pas de souci, voilà. Donc pour qu'ils ont quand même chacun leur espace, ce qu'on va faire, c'est ils vont prendre notre chambre à moi et à Greg qui est la plus grande. Donc ça, on va essayer de leur faire une petite séparation entre deux, mais comme je vous dis, c'est juste pour 2-3 mois, le temps que le grenier soit fait. Donc ils sont en train de prendre ma chambre, moi je vais prendre la chambre à Angel, et Angel du coup et Kim et Quentin vont prendre la chambre à Stacy qui est la chambre la plus grande entre celle à Angel et à Kim et à Quentin, et fou là là, je vais y arriver, et à Angel. Donc du coup on est en train de tout faire le changement des chambres du coup pour ce week-end, et ensuite on va attaquer correctement encore le grenier, tout vider, et puis alors il faut qu'on change le Velux. Et puis on voudrait faire une séparation au niveau du grenier pour gagner une partie grenier et une partie qui va devenir du coup la future chambre pour l'instant à Kim et Quentin, et après ça va devenir la chambre à Stacy puisque c'est elle qui voulait monter. Donc c'était prévu, mais on hésitait à ce que soit en fait on fait ça cet été ou soit on attendait un petit peu, c'était pas pressé quoi en fait. C'était prévu logiquement déjà l'été dernier, mais comme Kim était enceinte et qu'elle allait, elle était sur le point de partir, on l'avait pas fait quoi en fait. Donc du coup voilà, on va le faire, et puis voilà. Bon allez, moi je filme le retour de course qui a... ensuite il faut que je le monte pour pouvoir vous le mettre en ligne demain matin, et ensuite je monte donner un coup de main à Greg, et j'ai chaud, il fait presque 30 degrés aujourd'hui, donc oui il fait chaud. Dans la voiture il est écrit 29, oh. Un petit peu plus qu'hier, mais logiquement ça va craquer hein. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici quand il fait chaud il n'y a pas de vent et il crève de chaud, il fait vraiment très très lourd. Alors on a déménager notre chambre, donc on est dans la chambre Angel. On a commencé à déménager dans la chambre d'Angel du coup dans notre chambre. Pour l'instant on a déménagé encore une fois ce piano. Là j'ai dit, alors en fait après là, la chambre Angel ça va devenir un coin bureau, bibliothèque, et en même temps il va avoir le tapis de course en fait dedans. Et puis il y aura un... ouais, le tapis de course, ouais, quand on va vouloir le déplacer, ouais. En fait, il va y avoir comme un grand dressing dans la chambre Angel. Il y en a déjà un, en fait. Et en fait, dans son dressing à lui, on va mettre... on va enlever tout ce qui est tringle et tout. Et en fait, je vais mettre comme... des rideaux ou je sais pas quoi, enfin je verrai, je vous montrerai quand on le fera. Et puis, je vais ranger toute ma déco de saison. Voilà, logiquement tout devrait passer dans des belles boîtes avec un nom, une grosse étiquette dessus et tout. On verra à ce moment-là. Mais bon, donc du coup le piano devrait rester dans la chambre Angel, donc on devrait plus le bouger. Parce qu'en fait, comme Stacy va monter par la suite au grenier, moi il est hors de question que je remonte le piano d'un étage, donc il restera dans cette pièce-là. Donc on a dû le déplacer. On en a encore une fois bien galéré. Je sais pas si vous vous souvenez quand on l'a monté. Donc là ça va, on a juste passé dans une pièce à côté, donc ça a été, mais c'est lourd quoi en fait hein. Là on n'a pas dû le démonter et tout quoi en fait. Donc du coup on est passé, donc la chambre d'Angel, on a commencé à déménager dans notre chambre, donc pour l'instant il y a son lit, on a tout remonté et tout, il va pouvoir dormir ce soir, c'est un petit peu le bordel tout autour, mais bon au moins il pourra dormir dans son lit, et nous on a notre lit aussi pour nous dormir. Puis demain on va continuer avec la chambre à Stacy. En fait le but c'est au moins de débarrasser la chambre à Stacy pour dimanche, pour que Kim et Quentin puissent emménager du coup, et le petit dans la chambre. Voilà. Oh là là, en fait tout l'herbeuble et tout,
si vous posez la question. Ils vont récupérer leur lit, enfin de quoi mettre dans la chambre, mais tous leurs meubles et tout, ils vont aller chez les parents à Quentin, qu'ils ont un grenier et qu'ils vont mettre, voilà, qu'ils vont mettre dedans quoi en fait. Et une partie aussi dans un hangar là, en fait tout ce qui craint pas trop l'humidité et tout va aller dans un bloc là, vous voyez, enfin une location là de blocs, voilà, comme les gros garages là. Donc voilà, en attendant. Quoi ? Ah non, j'ai un avec grenier aussi. Non, c'est un box, je sais pas quoi là, un box de... Enfin, c'est un box quoi en fait. Bref, je suis sûre que vous m'avez compris. Mais bon, c'est crevant des journées. En plus, il crève de chaud. J'ai l'impression qu'on... On est en train de... Parce que comme on va attaquer du coup le grenier et les chambres, et c'est une des premières pièces qu'on a commencé quand on a emménagé en fait. Parce qu'il fallait qu'on fasse le... Ah ! Le gitage, voilà. Donc, et puis on avait changé toutes les fenêtres et tout, de l'étage et tout. Donc du coup c'est une des premières choses qu'on avait fait quand on a emménagé. Et là on est en train de repartir. Puis il fait pratiquement aussi chaud que quand on a emménagé. Qu'on avait emménagé au mois d'avril. Ouais. Donc voilà, on va avoir bien chaud. Quand on fait les pièces hein, comme ça, intérieur, les greniers et tout, en plein été, c'est ouf. Allez, c'est pour un bien. Puis bon, comme je vous dis, c'était prévu en fait, hein, donc ça va être bien parce qu'ils vont chacun avoir, Stécie va enfin avoir sa chambre au grenier comme elle voulait. Et puis on va avoir une pièce en plus du coup en haut, donc ça va être cool. Voilà, allez, je vais commencer ma blanquette, je vais préparer... Alors je vais vous filmer la recette mais dans le vlog. Pardon, j'ai même pas eu le courage de mettre ma main. Je suis chaos technique. En plus là j'ai dû soulever le piano alors que j'ai super mal au bras. Voilà, pas bonne idée de... Le piano. Bah un petit peu quand même. J'en ai un petit peu. Tu l'as retourné carrément. Ouais, toi tu l'as... Bah oui, mais bon, je t'ai aidé. Hein, un petit peu. Bon allez. Je t'ai soutenu. Un petit peu moralement et un petit peu physiquement aussi. Je vais faire la blanquette. Je vais préparer les ingrédients. Donc je vous disais, je vais vous la filmer et je vous la mettrai sur le blog, mais je vais vous la mettre dans le blog. C'est une blanquette vite fait à la Sandra. Sans le bouillon. Enfin, je vais faire avec le bouillon, mais sans le... D'habitude, logiquement, on fait un bouillon avec le veau, avec les légumes et tout. Moi, je vais vous faire montrer une façon. Et en plus, je le fais... Enfin, avant, je le faisais au Cookéo. Là, je vais le faire... à l'autocuiseur en fait avec le Ninja. Et voilà, si vous avez un Cookéo, vous pouvez très bien le faire à la au Cookéo ou à la cocotte minute. Je prépare les ingrédients. Alors, puis on y va. Dans la cuve de mon Ninja, j'ai le petit dans les bras, j'ai mis 1 litre de bouillon de légumes ou enfin ce que vous voulez. J'ai mis ma blanquette, donc il y a à peu près 700 g de sauté de veau. J'ajoute un oignon piqué d'un clou de girofle, enfin deux clous de girofle, et je vais ajouter du thym et du laurier ou un bouquet garni. Et là du coup je vais mettre en cuisson sous pression, hop, pour 30 minutes. Donc si vous faites au Cookéo ou à la cocotte minute, ben, c'est la même chose, cuisson sous pression 30 minutes. Bon. Alors le temps que la viande est cuite, je vais faire chauffer de l'eau pour faire cuire le riz, et je suis en train de faire sauter à peu près 150 g de champignons. Alors moi je les fais sauter comme ça à sec. Et ensuite, c'est pour pas rajouter de liquide après dans la sauce. Donc, je l'ai fait juste comme pré-cuire, quoi, en fait. Sauter un petit peu. J'ai préparé aussi carottes et oignons. Donc, à peu près 4 carottes et puis un oignon. C'est pour après, quand la viande sera finie d'être cuite. Je vous montrerai. Là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais commencer à monter le vlog. Je sais pas si je vais finir ce soir. Je finirai demain, peut-être, mais au moins commencer. Alors, une fois que mon veau est cuit... donc j'enlève l'oignon piqué de clous de girofle, je laisse tout le reste dans la cuve et je vais ajouter carottes et l'oignon émincé. Et je vais refaire cuire 8-10 minutes sous pression, c'est juste pour faire cuire les légumes, faire cuire les carottes. Alors je ne les ai pas mis avant parce que moi j'aime bien avoir les carottes qui sont encore un petit peu... ferme et pas trop cuite quoi en fait. J'aime pas quand mes légumes c'est comme dans le bouillon ou dans le couscous, et j'aime pas quand ça fait de la purée quoi en fait. J'aime bien encore avoir un petit peu de mâche dans les légumes. Donc du coup je remets
Alors le Ninja cuit beaucoup plus vite que le Cookeo. Donc je vais le mettre 8 minutes. Au Cookeo, je pense que c'est plus 10 minutes. Entre 8 et 10 minutes, c'est en fonction de vos goûts. Alors là, ce que je vais faire, soit vous pouvez prendre une marmite, faire fondre le beurre, ajouter la farine pour faire un peu comme on fait une sauce blanche et ensuite ajouter le bouillon louche par louche. Ou vous pouvez faire comme moi, là moi je vais faire un beurre magné, donc je vais faire fondre mon beurre, rajouter ma farine, en fait c'est pour gagner du temps, je vais directement le mettre dans ma cuve. C'est à vous de voir en fonction du jus que vous avez, mais logiquement si vous avez mis un litre comme moi au début, vous avez juste assez pour pouvoir faire votre bouillon, votre sauce. J'ai mélangé, donc du coup j'ai fait mon beurre magné qui est ici pour épaissir ensuite ma sauce. Et là j'ai mélangé du coup ma crème, deux jaunes d'œufs, une cuillère à soupe de persil et l'équivalent à peu près de deux cuillères à soupe de jus de citron. Et ça on va l'ajouter ensuite dans la sauce, c'est ce qui va faire le petit goût de la blanquette. Oups. Donc 100 g de crème, 2 jaunes d'œufs, une cuillère à soupe de persil haché et puis le jus de citron. Et on mélange bien et on met de côté, on l'ajoutera à la fin. Alors une fois que les carottes sont cuites, hop, on va... Alors soit vous faites fondre vos... Donc vous enlevez tout ce qu'il y a dans votre cuve de votre Cookeo ou de votre multicuiseur. Vous mettez votre beurre, vous faites un roux blanc, quoi, en fait, une fois que le beurre est fondu, vous ajoutez votre farine. Et ensuite, vous récupérez le bouillon et vous faites épaissir votre sauce avec votre bouillon. Ou soit vous faites comme moi, beurre magné. Donc j'ai fait fondre le beurre et la farine. Je les ai mélangés. Je vais l'ajouter, cette pommade, dans la sauce et je vais épaissir, donc sur position sautée ou dorée au Cookeo. Donc là je mélange bien et je fais épaissir un petit peu la sauce. En fait le fait de faire ça comme ça avec le beurre magné, ça évite une manipulation de faire fondre le beurre, d'ajouter la farine, de faire... voilà. Là on met tout, on laisse tout dedans, on ajoute et on mélange. Donc une fois que ça commence à épaissir, on ajoute les champignons du coup qu'on a fait sauter. On va mélanger. Et on ajoute ensuite notre mélange de crème, de persil et de citron. Et là pareil, on mélange et puis ben, on arrête la cuisson, c'est bon. On va rectifier l'assaisonnement, on va goûter, rectifier l'assaisonnement. Et puis on va pouvoir passer à table. Alors je vous montre du coup ce que ça donne. Voilà. Alors, une blanquette express du coup au Cookeo en une petite quarantaine de minutes, 40-45 minutes, elle est prête. Bon allez, moi je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous, on va manger ça avec du riz du coup. J'ai chaud. On va se dépêcher, on va ranger un peu la cuisine et tout, puis on va vite aller au spa. Relaxer un petit peu de notre journée et demain rebelote. Je vais avoir hâte qu'on soit le week-end. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Bye, bisous. Tell me you'll stay or take me away. I want you for